Donc voilà, je suis à l'aquarium de Biarritz. Je fais ma petite visite, vous voyez, des poissons. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais me faire la visite de l'aquarium de Biarritz. Donc voilà, les poissons. Donc voilà, je vous fais visiter un peu tout. Donc là, c'est tous des poissons. Donc voilà. Les poissons. D'autres poissons. Donc voilà. Depuis le temps que je voulais visiter l'aquarium, bah là j'ai eu l'occasion. Donc l'entrée c'est 14,50€, 14,90€, j'ai payé. 14,90€, j'ai payé. Donc voilà. Oh, les poissons. C'est quoi ces poissons-là? Gros poissons là, c'est des poissons bizarres, c'est des chébas chèvres, les poissons collés contre les parois, des chébas chèvres, et ça c'est des céréanthes, des céréanthes. Oh le gros là. Poissons. Donc voilà, c'est ça. Oh là, c'est quoi ces machins? Ah, des murènes. Des murènes. Non. Je sais pas si vous voyez bien. Des murènes. Oh là là, on dirait des serpents à moitié. Ouh. Donc là, voilà, c'est des petits poissons. Donc, voilà. Donc là, il y a des poissons encore. Bah, c'est un aquarium, donc il y a toujours des poissons. Donc
Donc je sais pas si vous voyez bien les descriptions, mais j'essaie de filmer un peu tout. Donc voilà. Ah, l'oursin violet. Alors là, j'ai un gros poisson qui est collé contre le truc. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a des étoiles de mer, des étoiles collées. Voilà. Alors ça, c'est quoi? Donc là, il y a une sorte d'araignée de mer au fond, là. Donc voilà, il y a une araignée là-bas. Et il y a des poissons par là. Donc voilà. Bon, là, il y a des petits poissons. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des homards. Là-bas, il y a un homard, au fond. Donc voilà. Donc, je vous filme ce qu'il y a dans ce bassin. Là, c'est le plan du musée, un peu. Donc, voilà. Donc la suite de la visite, on monte. Donc la suite. Je fais la suite de la visite. Donc voilà. Donc voilà. Les orques. Donc je continue ma visite, je vous fais voir. Donc voilà.
Donc on continue la suite. J'espère que ça va marcher. Donc voilà la suite. Les bateaux. La suite de la visite. Voilà. Donc voilà, là je suis dans la salle des chants de la baleine. Donc je suis assise dans un siège en train d'écouter les chants des baleines. Donc je ne vais pas rester trop longtemps. C'est juste pour vous faire partager un peu. Donc, donc voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, là c'est un phoque. Mais voilà, on ne voit pas super bien. Donc maintenant, on va... des tortues, tiens, on va aller voir les tortues. Grotte des tortues, voilà. Donc on va aller faire un petit tour vers les grottes des tortues ensuite. Donc voilà. Donc là, on est dans le bassin des tortues. Oh, donc voilà. Donc là, il y en a une qui est couchée au sol. Donc je fais la suite de la visite. Donc là je suis à la hauteur du bassin. Donc comme vous pouvez voir, je vais m'en approcher. Il y a des phoques de sortie. Oh la vache, comment ils dorment. Donc comme vous pouvez voir, il y en a qui dorment. Donc voilà. Il y en a qui sont dans l'eau.
Il y en a qui dort. Donc, Oh, il y en a un qui se réveille. Donc, comme vous pouvez voir, voilà le bassin des phoques. Donc, on va continuer. Voilà la vue qu'on a un peu en hauteur de l'aquarium. Donc voilà. Donc la suite de la visite, c'est par là. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien écrit. Donc là, ça va être quoi? Je continue la suite. Donc la suite, c'est des poissons. Donc les poissons. Je fais des photos en même temps. Donc voilà. Pour vous faire partager. Pour mettre sur ma page YouTube. Voilà des poissons. Donc la suite de la visite. Voilà la suite de la visite. C'est comme vous pouvez voir. Ah, c'est des poissons qui doivent... Faut pas mettre les doigts, donc ça doit être des piranhas. Comme vous pouvez voir, le logo. Ouais. Donc voilà. Des petits. Donc voilà. Donc la suite de la visite, on redescend. C'est magnifique. Une première visite, c'est la première fois que je vais visiter un aquarium et je trouve ça magnifique. Oh la vache, c'est quoi ça? Gros truc vert? C'est une reine. Bah, bien. Magnifique, mais énorme. Ah, une murène, la vache. Donc on continue la suite.
je continue. Donc voilà, je continue la suite. Donc voilà, alors là, il y a des sols communs. Et voilà, donc j'essaie de filmer les poissons. Le sol, ça doit être ça, je pense, au sol, là, il y en a une qui bouge. Les yeux, c'est horrible. Et il y a ça. Donc voilà, jolie petite fontaine. Donc là, et voilà. Donc voilà. Alors là, il n'y a rien du tout dans le bassin. Je ne vois rien, donc... Ah si, ils sont cachés, on voit pas là. C'est caché là-bas au fond. C'est des poupes au pied, c'est ça. Ils sont cachés dans les machins, on voit pas forcément. Là-bas, il y en a une. Mais bon, vous voyez peut-être pas. Donc là, dans ce bassin, il y a ça. Poisson. Il y a ça. Et il y a ça. Donc, il y a des pageots communs, des maigres, des raies brunettes, des ombrines, des raies menées. Voilà. Et là, il y a des... C'est des méduses. Ça, c'est toutes des méduses. Des méduses lunes, méduses bleues. Ah voilà les méduses, comment c'est. Voilà, voilà, tous les méduses. Donc voilà. Voilà, encore. C'est magnifique. C'est splendide, c'est super beau. Donc... Ah, il y a des petits requins. Donc voilà.
voilà, la suite. C'est notre partie. Donc voilà la suite de la visite, donc les escaliers. Qu'est-ce qu'on va voir pour la suite de la visite? Encore des poissons, toujours des poissons. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a toutes sortes de poissons, des requins. Donc je fais en même temps des photos avec mon téléphone. Donc voilà. Donc on continue à monter. Comme vous pouvez voir, sortie la boutique. Donc on va peut-être la fin, je ne sais pas. Donc je continue. Désolée, je suis un peu malade. Donc là c'est la boutique. Donc, voilà, j'ai fini ma visite à l'aquarium. Donc, je vous ferai partager ça sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller regarder jusqu'à la fin. Abonnez-vous et surtout à liker, laisser des commentaires. Donc pour une première visite, c'est la première fois que je voulais visiter, donc je suis assez contente. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye.